Salut à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un vidéo test de Jak 2 hors la loi. Un jeu sur PS2. Un jeu qui ressemble beaucoup à Ratchet & Clank, hein, si vous connaissez. C'est du même style. C'est un jeu d'aventure en gros. Et on peut être armé de. Bah voilà, d'un fusil. Ou d'un fusil à pompe. Ou d'un. Bah fusil. Pas beaucoup d'armes pour l'instant. Enfin, je crois que là j'ai presque toutes les armes. C'est pas comme dans Ratchet & Clank. Dans Ratchet & Clank, il y a énormément d'armes. Dans celui-là, il y en a quand même moins. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et aussi, la jouabilité est super. Le gameplay, on fait bouger Jak comme on veut. Voilà. Puis la bande-son est pas mal. Des musiques pas mal. Et des ennemis robotiques avec une IA pas si top, mais ça va quand même. Faut pas s'attendre à une IA de psychopathe, hein, quand c'est un jeu d'aventure. Bon, là, par contre, je suis rendu assez loin, même si j'ai pas fini le jeu. Donc, je pense que là, je vais peut-être galérer un peu. Faut faire gaffe, par contre. Ah, putain, il me tire dessus, lui. Il faut pas mal les canarder. Les rouges, c'est ceux qui sont inoffensifs. Hein. Enfin, ils font pas de bobos ceux-là. Par contre, les jaunes, faut les avoir 3 fois. C'est assez chaud. Voilà, je les ai tous eus. Mais il me reste plus que. Il me reste plus beaucoup de vie. Il me reste. Bah, si je me fais toucher encore une fois, je suis mort. Parce que, attends, comment on peut voir ma vie? Moi, j'en sais rien. Non, bah voilà un bouton pour juste mettre pause, hein, comme ça, ou on peut mettre pause comme ça, un grand menu. Bon, comme vous pouvez voir, bon, meilleur score, bon, ça on s'en fout. Options de jeu, voilà, les options de jeu, voilà, si vous voulez mettre des sous-titres français machin, mais de toute façon le jeu à la base est en français là. Et options graphiques, centrer l'écran, bah ça, si jamais vous avez un problème, même je viens de m'apercevoir que l'écran n'est pas très bien centré. Peut-être un peu mieux le centrer. Voilà. Voilà, c'est mieux comme ça. Il y a le type d'écran que c'est en 4 tiers là. Bon, je préfère pas changer, hein, ça risque de faire planter la capture. Balayage progressif, j'en sais rien, je sais même pas ce que c'est, mais bon. En faisant avec ça. Mode de vidéo en 50 Hz ou en 60 Hz. Bah, je pense que je vais laisser en 50 Hz. Bon. De toute façon, la vidéo est déjà assez bien comme ça. Bon, on peut évoluer comme ça, hein, si on a une bonne télé. Hein, le jeu pourrait être assez net et assez bien rendu. Surtout avec le câble Youve de la PS3, en fait, là, que j'ai mis. C'est le câble Youve de la PS3, mais bon, comme le câble de la PS3 c'est le même que de la PS2, bah voilà. Merde. Oh bah. Un ennemi à 2 balles qui m'attaque. Oh pff, je dois tout recommencer. C'est super pour le début de vidéo. Surtout de vidéo test. C'est bon, j'ai pas fini le jeu, mais je suis à 12h, je suis à peu près à 60%. Donc en plus il reste pas mal de choses à faire encore après.
Faut récupérer tous les œufs. Attends, est-ce qu'on peut regarder ce qu'on a? Peut-être secret, j'en sais rien. Mais voilà, 37 collectés. Vous voyez, là, par exemple, là, c'est des cheat codes, en fait. Monde miroir, par exemple, vous allez voir ce que ça fait. Bah, c'est comme si on regardait dans un miroir, voilà. Tout devient... Bah, c'est le contraire. La porte, elle doit être de là, voilà. Bon, les petits codes comme ça... assez sympatoche. C'est où les codes, maintenant? Secret, là, il est où? Ah. Bon, je vais remettre non. Là, par exemple, il faut en avoir 45 pour avoir une petite tête. Alors, la mode grosse tête, c'est pas mal. Phrase ou nom de book de jazz, de Jack. Ah, ça, c'est pour enlever le... Et voilà. Vous voyez, Jack qui a une grosse tête maintenant. Ça fait bizarre. Surtout quand on donne un coup de poing, un tout petit coup de poing par rapport à sa tête. Bon, et vous voyez, on peut aussi enlever sa petite barbe. Sa petite barbichette. C'est... Donc en gros c'est... Je vais plutôt enlever le mode grosse tête. Voilà, il n'a plus de barbe là. Bon voilà. C'est quelques petits codes que j'ai déverrouillés en ayant récupéré quelques œufs. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est des espèces d'œufs, hein, vous voyez. Des trucs marrons au-dessus. Bon, je vais mettre non pour tout. Et on y va comme ça. Alors, Jack a quand même plus la classe avec sa barbichette. J'imagine plus tard. Si on a tous les codes, on pourra franchement complètement changer Jack. Et ça sera plus un Jack 2 hors la loi. Le jeu, ça sera SimCity. Non, ça sera Sims. Les Sims. On pourra carrément faire notre propre personnage. C'est assez marrant ces codes. Pas besoin d'action replay, hein, tranquille. Donc là, je me fais tous les ennemis. Et c'est très efficace cette arme, hein. Je m'en sers tout le temps. Faut vraiment faire gaffe à ce jeu là parce qu'on peut, crever très rapidement. Vous voyez tous les trucs jaunes par terre, c'est les munitions pour mon fusil. Ouais, je me suis fait. Et voilà, 200 sur 200. Bon, je sais pas quelle est la société qui a fait ce jeu, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est la même société qui ont fait Crash Bandicoot. Alors, je pense. Parce que j'ai cru voir le symbole. Comment ça s'appelle déjà? Enfin, je sais plus, mais je crois que c'est Doug quelque chose. Bon, bah, je vous mettrai ça dans la description. Car je m'en souviens plus. C'est peut-être très grave parce que quand même Crash Bandicoot c'est pas de la merde. Et aussi Jack 2 c'est un très grand jeu aussi. Donc ça doit être une très grande société qu'on fait ça. Et ce sorte de jeu là c'est surtout sur les consoles Sony, hein, PlayStation. Peut-être que Sony était au rendez-vous, hein, pour faire ce jeu, j'en sais rien. Voilà, il ne reste plus qu'un interrupteur à déverrouiller. Bah, faut que je le trouve. Ah aussi, je vous ai pas montré tous les mouvements, mais bon, là, on est à un endroit pas terrible pour faire ça. Ah. Ah, bah, par exemple, là, non, je crois pas que j'ai... Je crois pas que je vais quand même réussir de là. Je préfère faire ça. Ça fait un espèce de triple saut, hein, quand on fait l'attaque dans les airs. On fait d'abord double saut, ça, et puis pouf, l'attaque dans les airs, ça fait un triple saut. C'est pas mal si on n'est pas sûr de retourner pile sur la plateforme, si on est un peu trop court. Oula, il y a un ennemi là. Faut laisser passer le rayon. Voilà, des petites faces comme ça. Oula, par contre non, je pense pas qu'on puisse le défoncer. Faut attendre qu'il passe. Je pense qu'il faut peut-être sauter par dessus, mais sauf qu'il y a l'autre aussi. Ah voilà. Ah, pas mal cette phase de plateforme là, ça me plaît. Merde. Alors c'est bon, il me tire juste une seule fois dessus et puis après bah il s'en occupe plus. Enfin, est-ce qu'on peut le détruire? Non, même pas.
Mais je fais comment pour y aller? Comme ça? Ouais, je vais dessus. Attention! On a des phases de plateforme assez chaud quand même. Des fois. Oula, là j'ai bien esquivé, j'ai bien intuité, j'ai bien fait de tomber. Bon, faut que je fasse gaffe aux trucs électriques là. Aux anneaux électriques. Enfin, je crois qu'en fait on peut sauter par-dessus. Oui, c'est bon. Aussi, je vous ai pas montré une particularité de ce jack. C'est qu'on peut. Enfin, ça sert à quoi d'aller là en fait? Ah, si, d'aller de ce côté là. C'est que dans ce jack, bah, on peut se transformer en une espèce de bête. Oh non, on recommence de là. Non, c'est sérieux? Ils sont sérieux? Bon bah voilà, vous avez vu qu'il y a très peu de checkpoints. Ah, d'habitude il y en a plus que ça, c'est bizarre. Attendez qu'il y ait plus de checkpoints. Ouais, bah oui, bah on recommence de là. En plus c'est un passage assez chaud, faut se concentrer. Bon voilà, je vous ai pas encore montré tous les mouvements, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Quand je surpasse tous ces ennemis, il n'y a pas besoin de faire des mouvements de psychopathe pour les tuer, il vaut mieux tirer. C'est la meilleure défense, je me suis fait avoir. Purée, mais... commence à être saoulant cela. Oh. Bourrinage. Ouais, il est mort. Ah, il y a aussi la vue en FPS, hein, la vue que Fireflap déteste, c'est pour ça qu'il ne fait pas ce jeu, qu'il n'est pas avec moi. Vous voyez quand même, les détails par terre sont quand même pas mal. On est que sur PS2, hein. C'est quand même bien. Ah bon, bah, on refait la même chose. Des petits énigmes comme ça, mais bon, c'est pas du Zelda. Ouais, bah là-bas il y a un interrupteur. Si je fais, voilà, c'est ça que je peux faire. Je peux faire une espèce de. En faisant L1, je peux faire ça déjà. Puis après, en appuyant sur croix, en même temps que je fais L1, et bah, je peux me projeter comme ça. Faire un grand saut. Pas mal pour aller plus vite dans la ville si on n'a pas de véhicule. Parce que oui, il y a une ville, hein, ça fait vraiment GTA. Vous allez voir quand je vais réussir enfin ce passage de fou. Si j'y arrive. Bon, il y aurait peut-être des dialogues après, moi j'entendrai presque pas, mais vous entendrez très bien. Moi j'ai mis le son très bas pour pas que le micro en même temps. Bah, pour pas que le micro prenne le son en même temps, sinon ça fera. Deux sons du jeu en même temps, donc ça ferait bizarre. J'ai eu ce problème là dans Rayman Legend. On a fait le vidéo test. Oh merde, mais. Ça me donne envie de dire des gros mots, mais non. Soyons calmes. Et recommençons. Voilà. Putain, j'ai. En fait, j'arrive toujours mieux du premier coup, c'est bizarre. Parce que là, ce que je fais, c'est du total. Bah, je découvre avec vous. Bien. Sauf cette partie, là, parce qu'on l'a refait 1000 fois. Ouais. Il tue. Faut vraiment utiliser le fusil à fond, là, parce que eux aussi, ils ont des fusils, faut vraiment faire gaffe. Esquiver en sautant ou en faisant n'importe quoi, des roulades, de je sais pas quoi. Si j'étais en monstre là, ça aurait été peut-être plus simple. Mais en plus, il me donne pas des boules violettes pour que je me transforme en monstre. Parce que oui, les espèces de boules violettes, c'est avec ça, qui me donne de l'énergie. Enfin, c'est de l'énergie quoi, qui me donne bah, la puissance d'un monstre. Se transformer en monstre au bout d'un moment. Si vous avez vu quand je me fais toucher des fois, et bah il y a ma vie, il y a ma jauge de vie en vert et la jauge bah
de comment on appelle ça, la jauge spéciale quoi, en gros on se transforme en monstre quand quand la jauge spéciale est au maximum. Bon, un concept assez simple. Bon, ça devient peut-être un peu répétitif pour vous. Donc sinon, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Oui, bah cette arme, bon, c'est à peu près la même chose que la jaune, sauf qu'elle est un peu moins puissante. Bon, je vais vous dire par ordre bah, comment j'ai eu les armes. Enfin, l'ordre... L'ordre des armes, quoi. La première fois, on a celle-là, le fusil à pompe. Très pratique hein, pour attaquer de près, hein, mais bon, pas très pratique de loin. Après, on a ça, l'espèce de fusil, bon, on dirait un fusil sniper, enfin, même s'il n'y a pas de lunettes. Voilà, qui tire des gros missiles, quoi. Un gros truc. Et puis après, on a ça. Ça, c'est un peu moins bien. Mais bon, si on a plus de munitions de ça, hein, on peut en avoir de celui-là. Voilà. Voilà pour les armes. Bon, je vais prendre une trousse de soins, ce serait peut-être bien. Frémi. Comment il... Ah mais c'est pas vrai là, il va me tuer lui. Toi pourtant j'ai bien esquivé, mais après il mettait 3 ans à revenir. C'est chiant. Il met du temps des fois. Nous joueurs on est tellement impatients. Et ça c'est tellement lent ces trucs là à avancer. Là on esquive ça. Voilà on y va. Ah, on fait gaffe au truc d'électricité. Vous voyez quand même, c'est un bon jeu de plateforme. Merde. Il y a un mur invisible. Voilà. Oula. Oula, purée. En fait, t'es obligé de te faire toucher, quoi. Ah, purée, non. Je vais pas crever. Attends, faut que je remonte, là. Oui. Mais attends, comment je fais pour avancer là? Oh ben, mais non, t'es obligé de tomber. C'est impossible. Faut peut-être faire autrement parce que là, franchement, bon bah laisse tomber, on s'en fout de ce niveau. Ah bah merde, je peux pas ressortir. Je peux pas vous montrer la ville. Bon bah. Au pire, on fait une nouvelle partie. Hein. Ce sera peut-être bien pour vous et pour moi. Bon allez, ce niveau de toute façon c'est une prise de tête. On va charger une partie peut-être. Oh voilà, une autre partie. Là. Une ancienne partie que j'avais faite il y a très longtemps, mais bon, comme je me souviens presque plus du jeu, j'ai préféré le refaire. Et voilà, maintenant je suis rendu plus loin que mon ancienne partie. Ah et bah tiens, bah. Ah, tiens, c'est bien comme ça, hein. Vous allez voir une nouveauté. Là, bah. C'est encore une mission hein. Et là on doit avoir 6 trucs. Attends. Pour que j'aille plus vite, vaut mieux que j'utilise ça avec le bouton R2. Faut sauter et puis faire R2. Ou même sans sauter c'est bon, mais bon moi je préfère. Puis faire ça. Bon. Faut faire quoi déjà, je me souviens même plus. Si c'est on doit balancer un truc, mais là j'ai pas de. Si, ah si. Ah, il faut être super rapide, je me souviens celui-là. C'était vraiment. Là, j'ai perdu du temps donc je pense pas que je vais réussir. Surtout qu'il faut vraiment connaître l'endroit par cœur. Enfin, j'ai réussi au bout de la. Genre. Niveau-là, j'avais réussi au bout de la 4e fois, je pense. Enfin, par contre, je sais même plus où ils sont les autres. Celui-là, peut-être. Non, je l'ai déjà fait. Je me souviens même plus. Bon, ma prestation est assez pitoyable. Puis attention à la tronçonneuse. Vous voyez quand même énormément de plateformes. C'est du Ratchet & Clank ça. Là. D'accord. Bon bah je suis mort. Bon bah tant mieux comme ça on va pas attendre les secondes. Là je vais me concentrer. Vous voyez, des petites missions comme ça, pas mal.
sont vraiment hard. Enfin là c'est surtout parce qu'on est déjà rendu à 58% je crois ici. Tout du genre, 50%. Ça devient déjà chaud. Sachant que je pense que en finissant le jeu on doit être dans les 80 ou 75% parce qu'il reste encore plein de choses à faire pourtant. Les quêtes annexes et tout. De récupérer tous les œufs là pour pouvoir avoir comment pour pouvoir avoir les cheat codes et s'amuser avec hein. Je sais pas ce qu'il y aurait comme cheat code après. Je peux vous les montrer mais pour l'instant concentration. Oula, non. Et bah concentration à mon œil. Donc voilà. Les secrets, alors allez, bah après ils sont tous en point d'interrogation puisque bon je suis peut-être tellement loin. Peut-être que j'ai pas assez de trucs quoi. Bah là par exemple j'en ai que 23 donc je pense pas que je puisse faire la grosse tête, voilà c'est à 30. Scène acte 1. Bon ça c'est peut-être une cinématique qu'on débloque pour la regarder quand on veut. Massacre au Vulcano Shooter. Oula. Ça a l'air assez sympathique ça. Bien. Une nouvelle arme ou je sais pas. Donc voilà, plein de cheat codes. Ça se trouve après on va avoir comme dans GoldenEye 64 des bazookas. Les ennemis pourront avoir des bazookas. C'est n'importe quoi. Bon, faut pas non plus trop de rêver. Voilà. Je me concentre. Là j'entends pas ce qu'ils disent, hein. J'ai mis le son tellement bas. À 5% pour tout vous dire. Donc je sais pas ce qu'ils disent. Mais bon souvent c'est assez comique. Merde, est-ce que lui j'avais déjà fait, je sais même plus. Si je crois que j'avais déjà fait. Bon, là on se tourne à fond, purée. J'ai encore fait une gamelle. Ah merde. Ouais, mais en fait faut pas faire avec le. Faut pas faire avec le skate ça. Bah cette vidéo n'était pas du tout préparée. Enfin heureusement que j'avais une ancienne sauvegarde quand même. Sinon on va rester dans l'autre niveau. Comme ça ça me montre déjà un peu plus dans le truc. En plus on peut faire des figures, je crois ouais, on peut faire des figures, mais je sais plus comment. Lui je l'avais déjà fait. Non mais faut aller là-bas. Vite, sprint. On peut pas aller plus vite, c'est ça le problème. Et voilà, il balance la bombe, c'est bon. Ah je l'ai pas encore fait celui de droite. Parce qu'il reste blanc. Donc je l'ai pas encore fait. Oui. Plus que deux. Ah, j'ai entendu là. Par contre, oui, on monte comment là. Allez, voilà. Sur la tronçonneuse. Bon, je sais pas si j'aurai le temps. Je sais pas si j'aurai assez le temps. Là, on saute sur la plateforme. J'ai géré mon coup. Voilà. Attends, je m'attendais pas qu'il soit aussi proche le truc, attends. C'est chaud de l'avoir celui-là. Voilà. On a plus de 22 secondes, c'est rien du tout. Faut vraiment que là, il faut vraiment que je gère. Faut que je remonte sur la plateforme, vite. Oh, bah là, c'est foutu. Oh, bah c'est foutu, bah vous voyez, il est juste là. Là, faut attendre. Mais là c'est foutu. Ah, et puis j'ai explosé et c'est un magnifique bug. Je reste dans les airs. Bon. Ah bah c'est la nuit tellement que je suis long. C'est assez comique. Allez le sprint. Ouais, vous voyez, hein, il y a le temps jour et nuit hein, dans ce jeu-là. Le temps est comment on dit déjà. Bon j'en sais rien mais voilà. C'est en temps réel, enfin c'est en
le ciel a des images différentes, voilà. Là, je pense que j'aurai assez de temps si je tombe pas. Moi, ouais. Plus que une minute, c'est pas beaucoup. Et le quatrième, plus que deux, plus qu'une minute. Et je rêve où il vient de dire une minute aussi. Plus qu'une minute, on est cuit. Pas maintenant. C'est pas maintenant que je dois crever. La technique. Bon là, ça m'étonnerait que j'ai quand même le temps. Enfin, je sais pas. Le sprint. Allez plus vite. Mais ça va pas vite. Donc, vous voyez, c'est vraiment à la seconde près le truc. La mission là. Ah merde, mais putain, mais voilà. Le petit gros mot. Bon bah, je sais pas, ça commence à me saouler, de tout le temps perdre. Ça, c'est vraiment une mission super chaud quand même. En fait, faut connaître par cœur l'emplacement des trucs, sinon c'est pas possible. Je crois que j'en ai loupé une derrière. Non, il y en a pas. Moi, je la vois pas. Ah bah si, elle y a. Attention. Voilà. Bah. Je pense que là, je suis bien parti. Encore mieux qu'avant. Et il me reste plus qu'une minute. Là, il me reste plus qu'une minute 7. Je pense que je vais réussir cette fois-ci. Je le sens. Vous voyez, ce jeu fait. C'est un jeu d'aventure action. Hein. Voilà. Ce n'est pas la fin de la vidéo, mais bon. Quand même, j'en parle un peu quand même. Au lieu de m'acharner sur cette mission. Ah merde, non! Il a failli tomber. Ah, c'était. On était au bord du suicide. Dans 30 secondes, ça fera. Là, je pense que ça va être bon. Vite, 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 vite vers la plateforme. Voilà. Là, je crois que. Il me reste 15 secondes, je pense que ça va être bon, mais ça va être chaud. Bah, sinon, tant pis, hein. De toute façon, c'est juste un vidéo test. Ah, bah non. Il fallait juste une seconde de plus et ça aurait été bon. Bon voilà, sinon, ah, on peut retourner. Je vais peut-être pouvoir vous montrer la ville. Avec le professeur fou là. Et non, je peux pas encore vous montrer la ville. Ah si. Bon, voilà, c'est à moitié GTA ce jeu, mais en cartoon. C'est à la fois un mélange de GTA et de Ratchet & Clank. Bon, on peut taper les civils. Bon après ils crèvent et voilà les ennemis s'en prennent à nous. Enfin c'est genre la police eux mais bon. Bon je vais pas montrer la spécificité de ce jeu c'est qu'on peut se transformer en monstre mais là c'est pas assez de. Les trucs violets là. Bon, tant pis, vous verrez ça dans une autre vidéo. Parce qu'il y a toujours des trucs sur YouTube. Hein. Bon, on peut prendre les véhicules. Comme ça, on peut les voler, comme dans GTA. Et il y a deux attitudes différentes. Si on peut appeler ça une attitude. On peut être dans les airs, quoi. Ou on peut être ici. Là, sur le sol, presque. Bah ça sert surtout à pas se prendre les autres voitures, enfin les autres véhicules, les autres vaisseaux, et
mais par contre on risque de renverser quelques passagers et donc on risque de se faire prendre par la police en gros. Donc voilà, puis on voit les objectifs juste en dessous là en bas à droite, un plan à la GTA. Cette ville, je crois que c'est Métropolis, je crois, oui, ça s'appelle Métropolis, un truc du genre. La ville, le nom de la ville, voilà, c'est tout ce que je sais. Hein. Après, le scénario est pas mal. Hein. Bon. Même si c'est un truc assez simple, hein, mais c'est quand même pas mal, vu que vraiment beaucoup de blagues, hein, beaucoup de vannes dans ce jeu. Et bah. Voilà, c'est tout. Donc je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et je vais essayer de foncer sur quelque chose. Ça fera classe comme fin. D'accord, c'est pas très classe, j'aurais dû voir une explosion. Non, une explosion. Car les explosions sont très bien faites dans le jeu. Allez, explose. Je suis en train de galérer à faire exploser mon véhicule. D'habitude j'y arrive tout de suite. Ah voilà, j'ai vu une explosion, la moto qui a explosé. Après j'ai un véhicule super super costaud. Bon bah maintenant vous sauriez, ce véhicule là est super costaud. Voilà. Donc sur ce je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et vous verrez les notes dans la description.